Bonjour les gourmandis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une surprise à maman. Ce sera un gâteau surprise. Loulou, tu m'as pas attendu. J'aime pas quand tu commences sans moi. Bon, on fait quoi aujourd'hui? Je te dis. Pourquoi? Surprise. Pour moi, une surprise? Oui. Bon, ben, on y va. Suivez-nous, c'est parti. Pour le gâteau au chocolat, il nous faudra du cacao, des œufs, du beurre mou, de la farine, de la levure, du chocolat fondu, du lait et du sucre. Je commence par fouetter le beurre et le sucre pendant 5 minutes. J'ajoute un à un les œufs. J'ajoute la farine, le cacao et la levure. Le lait. Et je termine avec le chocolat fondu. On va utiliser un moule de notre partenaire Fairy Cake. On vous met le lien en barre d'infos. Je récupère mes moules beurrés, je verse ma pâte et ça part au four. Je récupère mes gâteaux refroidis, je remplis mes trous avec les Smarties. Et je referme avec les deuxièmes gâteaux. Maman! Oui? C'est mon gâteau surprise? Oui. Je peux regarder, mais pourquoi? Mais il n'est pas vraiment surprise, c'est juste un gâteau au chocolat. Des bonbons! Ah mais tu m'as super gâté mon cœur! Eh ben merci mon amour, ça me fait très plaisir. Bon ben mon amour... Merci, ça me fait vraiment super plaisir. En plus, une surprise comme ça, alors que c'est pas la fête des mamans, pas mon anniversaire, juste parce que tu m'aimes. Oui. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Nous, on vous invite à faire plein de surprises aux gens que vous aimez, même s'il n'y a pas d'événement en particulier. Il faut pas attendre la Saint-Valentin, la fête des mamans, pour faire plaisir aux gens qu'on aime. On peut faire ça tous les jours, tous les matins, avec un sourire, un mot doux, et surtout, dire je t'aime. Maman, je crois que t'es en retard. Pourquoi? Mais tu dois faire encore plein de vidéos. Oh, bon bah j'y vais. Bon bah je vous aime. Loulou, je te laisse finir. Hein. Oui. Ciao. Ciao. Et surtout laissez des gros pouces bleus et abonnez-vous. Ciao.